J'étais ministre de la refondation. Pour ceux qui disent, mais Malanga Rochiso, mais Malanga est un homme indépendant, autonome. Ministre de la refondation, c'est moi qui ai inventé les enveloppes à coller pour qu'on ne corrompt plus les Gabonais. Pour que même si vous lui donnez l'argent, il n'aura plus à se justifier. L'opposition, la force là, celle qui dit qu'elle est vraiment la meilleure opposition, ils se sont précipités pour dire on enlève. Mais aujourd'hui, ils se sont fait avoir comme des novices. On est revenu au bulletin simple. Chacun peut donner même à sa cousine, sa soeur, sa femme, et il met dans le sein, ou il met dans la poche, et puis quand il arrive, il met seulement ce bulletin, et il met le reste à la poubelle, ou il met dans la poche, il n'y a plus de rigueur. On a reculé au lieu d'avancer. J'expliquais que le bulletin unique dont on parle, ce n'est pas un bulletin unique, c'est un ticket entre le candidat à l'élection présidentielle et son député. Parce que Ali Bongo a constaté qu'il est toujours battu, mais ses députés sont toujours élus. Alors, il nous envoie ce message que je vous transmets. Il nous dit, comme je suis toujours battu, maintenant, je ne vais plus être battu tout seul. Donc, il faut battre le Ali Bongo et battre son député. Plus personne n'aura de raison de laisser le député. C'est lui-même qui m'a dit de vous transmettre ce message-là. Il est devenu comme un Okoumé, il ne veut pas mourir tout seul. Lorsque, en 2017, après qu'en 2016, il ait arraché le pouvoir à Jean-Pierre, nous sommes allés discuter et j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait des élections à deux tours. Malheureusement, la même opposition est allée se concerter avec le pouvoir à enlever encore un deuxième tour. Nous revenons à une élection à un tour. Aujourd'hui, l'opposition dit, pendant que chacun a déjà déposé sa candidature, il dit candidature unique. Je dis ça, c'est la comédie. C'est une vaste comédie. C'est la preuve qu'ils ne connaissent pas la politique dans ce pays. Nous, pour nous, on aime la candidature unique. Parce qu'on aime le panda. Le panda, c'est la candidature unique. Mais quand on est là-haut, il faut qu'en bas, les gens soient vigilants. Pour qu'ils ne tombent pas. Mais quand en bas, vous vous battez, est-ce que vous pouvez avoir un bois? Non. Chacun sur une circonscription, chacun a son candidat. Vous n'avez pas d'abord réglé le problème d'un candidat unique à la députation. D'une liste unique au local. Maintenant, vous voulez, alors que les enfants sont en train de se battre en bas, vous voulez un candidat unique. Vraiment, si l'opposition était intelligente, on ferait tout pour que partout, à n'importe quel coin, l'essentiel continue Ali Bongo et continue le député d'Ali Bongo.